Salam alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle leçon avec Mamie Mona, une nouvelle leçon de français. Donc, l'yom, ma'ana, randirom, tassijdi, tiel forasiya, ma'a, Mamie Mona. Donc, aujourd'hui, pour notre nouvelle leçon de français du niveau de la deuxième année primaire, nous allons commencer par réviser l'alphabet français. اليوم بالنسبة للدرس ديالنا الجديد ديال الفرنسية ديال نيفو تاني إليمونتيغ، سمحوا لي العربية ديالي شوية معكلة، تعرفوني أنا ما قريتش العربية بزاف، دونك بالنسبة للدرس ديالنا ديال الفرنسية ديال نيفو تاني ابتدائي، غادي نبداو بالمراجعة ديال الألفابي فرونسي. Alors, cette leçon est utile pour tous les niveaux car beaucoup d'élèves, même les plus grands, ne savent pas ou ont oublié les informations que je vais donner dans cette leçon. Donc, ce cours يصلح les niveaux كاملين حيت بزاف ديال التلاميذ حتى الكبار ما كيعرفوش ولا نساو المعلومات اللي غادي نعطيكم في هذا الدرس. Alors d'abord on dit l'alphabet français. On dit l'alphabet français. Quand on dit l'alphabet, les alphabets. On ne dit pas les alphabets. Alors, pourquoi on dit l'alphabet? Parce que chaque langue a son propre alphabet. Alors, quand on dit l'alphabet, c'est que chaque langue a l'alphabet d'elle. Et on dit les lettres de l'alphabet, ou kangolo le horof de l'alphabet, parce que chaque alphabet a un certain nombre de lettres. Et tout alphabet a un nombre de lettres. Par exemple, l'alphabet de la langue arabe a 28 lettres. Et si on compte la hamza, il en a 29. كمثال عندنا الالفابيت ديال اللغه العربيه فيه 28 حرف والا حسبنا الهمزه عنده 29 alors celui de la langue russe a 33 lettres بالنسبه للغه الروسيه عنده 33 حرف donc l'alphabet de la langue française a 26 lettres l'alphabet de la langue française a 26 حرف. Donc l'alphabet français a 26 lettres. De ces 26 lettres, il y a 6 voyelles. من هاد 26 حرف كاين 6 ديال لي voyelles بار وبما في العربيه كيقولوا حركات. اللي هما كي sont a o i u e Y. Donc ça, ce sont les voyelles. Les voyelles de l'alphabet français. Donc il y en a 6. Les autres voyelles s'appellent les consonnes. Les consonnes, il y en a 20. Qui sont les voyelles, les consonnes, les voyelles. Donc il y a les voyelles, il y a les consonnes, si on enlève les voyelles, on a les consonnes qui sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, T, Q ou bien que l'on, R, S, T, V, W, X et Z. Voilà. Cette leçon est importante aussi pour corriger la prononciation des lettres. هذا الدرس مهم حتى بالنسبة لتصحيح النطق ديال الحروف
Car si vous entendez une prononciation pas correcte, vous allez avoir vous aussi une prononciation encore moins correcte. Et nous, il a semé tout واحد نطق غلط حتى نتوما من بعد غادي يكون عندكم واحد نطق غلط اكثر غلط. Puis vous allez avoir des difficultés à apprendre à lire, à comprendre le français, vous aurez aussi des difficultés à l'orthographe. Donc من بعد غادي يكون عندكم مشاكل في القرايه ديال الفرنسيه في الفهامة ديال الفرنسية وغادي يكون عندكم كذلك غادي يكون عندكم كذلك مشكلة في الإملاء وزيد 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 etc. Donc aujourd'hui nous allons apprendre la prononciation correcte. اليوم غادي نتعلمو النطق صحيح. Alors on va commencer A B C D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, ou bien que l'on, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, plusieurs élèves, plusieurs enfants confondent le E avec le I, avec le U, avec le O. Donc, vous avez des élèves qui traquent le E, mais le I, mais le U, mais le O. Donc, voilà, ça c'est le A. Voyelle E, voyelle I, voyelle O, voyelle U, voyelle Y, voyelle. Y, c'est comme s'il y avait deux I. Y, prend le canon, juste les I. Donc, on peut aussi apprendre l'alphabet en chantant. Comme ça, c'est plus facile de retenir dans la mémoire. Donc, on peut nous parler de l'alphabet pour nous Donc, il y a la chanson très connue qui est la chanson A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Donc, maintenant, je les connais. Il y a d'abord toutes les lettres de l'alphabet, quelles sont de l'alphabet. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Voilà. Donc, j'espère que vous allez apprendre l'alphabet en chantant. Donc, quand on a l'alphabet, c'est revenir. Bon, voilà, maintenant, nous allons voir quatre écritures de l'alphabet que doivent connaître les élèves. Donc, on va dire chauffeur, on va dire l'alphabet, les élèves, les élèves. Alors, il y a l'écriture cursive. C'est l'écriture que vous écrivez dans votre cahier. Quelle est cursive et quelle est l'écriture que l'écriture la cursive majuscule, ou l'écriture cursive minuscule, c'est pas. Ensuite, il y a
l'écriture script, c'est l'écriture qu'on trouve dans les livres. هي الكتابة سكريبت الكريتور سكريبت اللي كنلقاو في الكتب في المقررات هي الكريتور سكريبت ماجسكول اللي عندي aussi les lettres bâton هما لي bâton هما العودات et l'écriture script minuscule. OK, donc on va voir l'écriture cursive majuscule, le A majuscule, le B majuscule, le C majuscule, le D majuscule. L'écriture cursive minuscule, le A, le B, le C, le D. L'écriture script majuscule, A, B, C, D. L'écriture script minuscule, A, B, C, D. L'écriture cursive majuscule E, F, G, H. L'écriture cursive minuscule E, F, G, H. L'écriture script majuscule E, F, G, H. L'écriture script minuscule E, F, G, H. Ensuite, on passe I, J, K, L. Écriture cursive majuscule. I, J, K, L. Écriture cursive minuscule. I, J, K, L. Écriture script majuscule ou bien lettre bâton. I, J, K, L, écriture, script minuscule. M, N, O, P majuscule. M, N, O, P minuscule. M, N, O, P majuscule. M, N, O, P minuscule. Q ou bien que l'on majuscule R S T que l'on ou bien Q R S T minuscule majuscule Q ou bien que l'on R S T que l'on R S T minuscule. U V, W, cursive majuscule. U, V, W, cursive majuscule. U, V, W, script majuscule. U, V, W, script minuscule. X, Y, Z, majuscule en cursive. X, Y, Z, cursive minuscule. X, Y, Z, script majuscule, X, Y, Z, script minuscule. Voilà, j'espère que cette leçon vous a été utile. Quand je vous ai dit que vous avez fait un peu de temps, vous avez fait N'oubliez pas de montrer cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez, peut-être que ça va leur être utile. On se reverra la prochaine fois, inshallah, pour une nouvelle leçon. Inshallah, le dars jadid. Ma salama. Au revoir.